ASEC Mimosa, Africa Sport. C'est d'abord l'avant-match des supporters. On va chanter. Ouais. Toi, tu souffres. Ouais. Faut pas chanter. Toi, tu faut taper. Toi, ouais. Tu chantes. Voilà. Voilà, on chante ensemble. Ouais. Africa, c'est mon équipe. C'est mon maillot. Moi, je vous jure que l'Africa me fera pitié. Le lendemain jour de match, le derby de la 22e journée est offert gracieusement par le chef de l'État au public sportif ivoirien. Public qui n'a pas boudé son plaisir. Sur le terrain, pour les 45 premières minutes, l'avantage au score est pour les jaunes et noirs. 1-0 avec un pénalty manqué côté vert et rouge. Bilan à mi-parcours avec les supporters. Je demande aux supporters de l'Africa de garder leur calme et leur sérénité. Ici, c'est comme ça. C'est le résultat qui était prévu. Nous ne sommes pas amenés, on a été agressés. Parce que le joueur qui s'est dit marqué, il a donné des coups. Il a poussé le joueur. Donc à temps normal, le joueur doit avoir une carte rouge. Mais ils n'ont pas pu le faire, il a continué à faire ses jeux de kaki. En seconde période, la SEC va réussir à mettre un deuxième but et l'Africa va tout de même réduire le score. 2-1, score final. Joie chez les Mimosas et optimisme chez les Oyés. Je le dis encore, je le répète, que l'Africa n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est le WAC. Leur entraîneur est mon fils. Mais croyez-moi, il va revenir. Mais ils ont un petit gamin, là, le petit 23, là. Donc, à se méfier, parce que la vitrine, c'est la SEC. À l'Africa, qui les connaît? Mais je pense que c'est un clin d'œil que je lui fais. Je suis entièrement satisfait de la prestation de mes joueurs. On peut perdre, mais quand on joue crânement, dès que vraiment on domine le match, on le perd comme ça, vraiment, moi, je dis à mes joueurs, et puis je vais payer les primes. Je m'en vais payer les primes tout de suite. Parce que mes joueurs ont très bien joué. On mérite la victoire. Le derby à ASEC Mimosa, Africa Sport, aura tenu toutes ses promesses. Puissant pour la paix. En tout cas, on a joué notre partition. On espère que ça va donner du bon au cœur à la population de Boaké. Merci à tous ceux qui sont venus. Souvenir de Boaké, cette belle image des supporters de l'Africa Sport avec le premier responsable Bailly Antoine. Malgré la défaite, la joie a eu sa place. C'est Boaké qui aura gagné.